D'abord, est-il bon de faire élevage dans casse ou bien est-il bon de faire élevage en plein air, surtout quand il s'agit des poules pondeuses? J'ai besoin de votre commentaire dans les commentaires. Voilà, ça veut dire vous mettez les commentaires sous les vidéos. D'autres personnes disent bien que eux préfèrent l'élevage en casse, tandis que d'autres personnes disent qu'ils ne veulent pas l'élevage en casse quand il s'agit des poules pondeuses. Donc, je veux que chacun me donne sa raison des faits. Ok, je pense bien que tous ceux ou toutes. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Investir dans l'élevage. Moi, c'est Benjamin. Et si je te parle d'élevage et d'investissement, parce que je suis convaincu que c'est l'un de ces piliers qui va te permettre d'être l'homme le plus fort au monde, l'homme le plus fort de ta famille, l'homme le plus fort, voire même de ton entourage. Parce que quand tu as de l'argent, quand tu as des idées riches et quand tu sais où tu mets ton pied, les gens te respectent. Mais quand tu n'as pas de l'argent, tu n'as aucune décision. Tu ne peux influencer n'importe qui. Tu ne peux pas influencer ton entourage. Le monde même ne te respecte pas et ton avis ne compte pas. Donc pour moi, il est meilleur de penser aujourd'hui à entreprendre. Vous pouvez être fonctionnaire et entreprendre. Je connais plusieurs types de fonctionnaires qui sont en train d'entreprendre. Je connais plusieurs types de fonctionnaires qui nous contactent et qui ont aujourd'hui des business en parallèle de leur fonction publique, de leur fonction privée, afin d'arrondir avec les bénéfices, les fins du mois. Tu peux le faire, c'est le cas de plusieurs personnes. Bref, abonne-toi, active toutes les cloches de notification et puis tu seras informé de nos nombreuses vidéos quotidiennes comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu et t'aider à franchir des paliers dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, suivez ce commentaire, suivez un peu le discours que je vais vous partager. Et je pense que d'autres personnes vont dire ça va prendre le temps, mais si tu veux, tu écoutes, hein. Tu veux pas, tu laisses tomber. Voilà, vous, où les gens se déshabillent, c'est là-bas, ils vont faire des millions de vues, où les vidéos vont les aider maintenant à devenir quelqu'un. Là, ils font 2 vues, ils font 30 secondes, ils s'en vont. Où il y a la comédie, ça ne va rien les apporter dans la vie. Ils s'en vont regarder là-bas, utiliser tous leurs mots là-bas. Ils vont faire des heures pour regarder, ce ne reste que pour rire. Et puis demain, ils vont se réveiller dans la maison en train de tourner. Non, j'ai tel problème, j'ai tel souci. Au lieu de regarder les bonnes choses qui peuvent vous aider à améliorer la vie de demain, à améliorer la vie de vos enfants, c'est la comédie. Les gens qui sont déshabillés, ceux qui font n'importe quoi, les clashs, vous partez regarder. Et après, maintenant, c'est pour venir crier dans les oreilles des gens, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Bref, ne suivez pas, hein, restez là. Ceux qui sont conscients, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Voilà, ici, voici les poussins. Ils ont aujourd'hui 3 jours. J'ai dit, ils ont 3 jours. Voici comment ils sont éveillés. Regardez bien comment ils sont éveillés. Ils ont 3 jours. Mais regardez comment ils sont bien mouvementés. Nous sommes ici dans la région de Layembitiassa. Dans la région de Layembitiassa. Et vous voyez comment ils sont. Voilà, on a distribué ces poussins sur plusieurs fermes. Et aujourd'hui, il y a certaines personnes qui prennent soin énormément de leurs poussins. Vous voyez. Voilà, donc j'apprécie ceux qui travaillent bien. Les conditions dans lesquelles ces poussins se retrouvent ici sont vraiment les bonnes conditions. Vous voyez, la température est bien respectée. Vous voyez, aujourd'hui, ils ont 3 jours. Et regardez. Regardez. Hein? Regardez comment je transpire. C'est ça qui est bon. Quand on rentre dedans, ça veut dire, ici, quand tu rentres dedans, ça veut dire que la température est respectée. Aujourd'hui, où ils ont plus de 3, non, où ils ont plus de 2 jours, ça veut dire 3e jour, la température doit être entre 31 et 33 degrés Celsius. Et à partir de 30 degrés Celsius, vous allez voir que quand tu rentres dans un endroit où la température est plus de 30 degrés, forcément tu vas transpirer. Forcément tu vas transpirer. Même si c'est 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, tu vas commencer à transpirer. Vous voyez? Et c'est bien. Donc ça veut dire que les poussins qui sont là, je vous affirme que le démarrage,
S'il continue ainsi, le démarrage va bien prendre. On est d'accord? Ok. Donc, voilà. C'est bien. Il travaille bien. Il travaille bien. Mais attention, hein, je ne vais pas apprécier ceux qui travaillent ici devant eux pour dire non, il travaille bien. C'est faux. Il ne travaille pas bien. Moi, je dis toujours, c'est pas bien fait. Mais sinon, c'est bien fait. C'est bien. Combien de minutes?